Yo, bande de rejets, ici le Matt, et on se retrouve pour de bon, oui, on se retrouve vraiment, pour un placard Steam. Je suis enfin de retour sur la terre ferme, avec mon ordi. Donc, je suis, comme vous pouvez le penser, heureux, si vous avez suivi un peu, j'allais dire mon histoire, mais c'est un peu prétentieux. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Blade Symphony, un petit jeu que j'avais acheté il y a un moment, je sais plus ce que j'en ai fait, du coup je l'ai retrouvé, très bien, très rigolo. Voilà, donc là vous n'avez rien compris. C'est du PVP, on va appeler ça comme ça. Ouais, du PVP en ligne principalement, on peut jouer contre des bots, mais rien d'être très excellent. Avec comme particularité un système de combat que je vous présentais avec des stances, un peu de distance, mais beaucoup, mais surtout ça se joue sur les armes et leur fonctionnement. Je connais pas bien le jeu, donc si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger, il n'y aura pas de problème. On ira faire un tour aussi du côté du Steam Workshop, parce que ça marche sur Steam, vous verrez bien. Donc avant ça, je vais vous montrer quand même on va choisir une map, hein, donc pour là, les quelques maps, très bien, on va prendre les districts, très rigolo, districts. Je les connais pas encore bien. Donc normalement le test son est bien effectué, je verrai ça un peu plus tard. Peut-être pas trop tard quand même. Bon, je vais peut-être vous passer le chargement, comme ça au moins ce sera efficace. Bon, voilà, donc, alors, je vais essayer de pas trop gueuler parce que je sais pas pourquoi il a tendance un peu à saturer mon micro en ce moment. Je ferai les réglages plus tard, mais pour l'instant c'est très audible. J'ai regardé le test son. Alors, donc là on peut voir, donc bon, on est contre un bot, mais on peut choisir un peu l'endroit où on veut combattre. On va se mettre par exemple ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs modes de PVP, donc soit 1v1, soit 2v1, soit 2v2. Donc on va se mettre en 1v1, très rigolo. En face, je vais mettre tout random, donc ça va randomifier à chaque fois le combat contre qui on va être et son type de combat. Son style de combat un peu. On va faire un tour du côté de Customize. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a 5 personnages qui sont débloqués hein, de base. Notamment avec plusieurs skins. Bon, voilà, tout ça c'est très cosmétique, hein, on peut changer des trucs. Il y a des trucs qui sont bloqués. Donc vous voyez qu'il faut, il faut gagner des choses pour les débloquer. Donc après voilà, vous pouvez changer un peu la couleur, très rigolo, hop, rouge, enfin voilà. Chacun a son style de combat. Avec des animations qui va adapter à chaque épée différente qu'on voit ici. Donc pour l'instant, au début, on a la Taunted qui appartient au type des longues swords, donc des grandes épées. Le Katana, Dailo no Kagura, je sais pas ce que ça veut dire, mais très rigolo. Une rapière, hein, donc une épée d'escrime si vous voulez. Giyam, donc ça c'est Giyam, hein, je peux pas faire mieux. Et la Cimeter qui est assez fine, mais qui fait penser un peu aux épées de pirates. Donc, vous voyez qu'après, il y a d'autres trucs mais qu'il faut développer, avec ce qu'ils appellent les notes. Et comme je connais pas assez bien le mode en ligne, je pense que ça correspond au mode en ligne, mais bon, voilà. Je n'ai pas beaucoup d'idées. Donc voilà, on va faire une partie un peu avec chaque personne, pour vous montrer un peu leurs mouvements, très rapidement. Avec une arme chacun, on va mettre, comme ça, voilà, très bien, on va commencer avec la longue sword. Et on va commencer le duel. Donc vous voyez en bas à gauche, oula. Vous voyez en bas à gauche qu'il y a plusieurs stances. Donc un qui correspond à fast. Donc attendez, là, hop, voilà. Donc là il fait des mouvements rapides. Hop. Ensuite il y a balance, donc c'est un peu plus lent mais plus puissant. Voilà, par contre il me déchire la gueule. Waouh. Là je lui fais une chope. Je peux avec E lui faire. Voilà, bon, là il l'a esquivé. Bon, quand il est comme ça, vaut mieux pas que je l'attaque parce que il va me finir en un coup en fait. Donc, je peux changer de position si j'ai envie. Donc, voilà, ça va changer un peu les mouvements. Donc, là il est obligé de me finir parce que quand il est abattu, il va me sauter directement dessus. Peut-être. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, alors là, très bien, la mort trop sexy. Hein. Voilà. Après, il n'y a pas forcément de pouvoir. On peut faire des esquives comme ça avec mage. On peut faire des roulades aussi. Mais je sais pas comment parer ce. Ouais, non. Donc voilà, là j'étais en position de riposte. Donc lui, vous voyez qu'il a 3 partout en bas dans ses enchaînements d'attaque. Donc c'est assez basique au final.
mais les autres ont d'autres spécificités. Vous verrez. Bon alors là c'est ce qu'on appelle se faire violer, je peux même pas parer. Bon très bien, comme ça c'est fini. You lose, merci. Alors là je suis trop content. Il y a des musiques qui sont assez sympas derrière, moi j'aime bien, je trouve que ça colle bien. Hop, donc on va prendre Phalanx avec... non, je préfère prendre elle avec le katana. Très bien. Elle a des mouvements que... En fait, elle me rappelle les mouvements qu'on apprenait en Aikido. Donc, enfin, c'est pas vraiment de l'Aikido, mais il y avait la partie Kendo, on va dire. Et c'est marrant de les retrouver comme ça. Bon, là, voilà, c'est assez fast, elle fait des approches. Là, elle a un style très très scolaire, on va dire. Oui, oui, oui. Bref, voilà. Donc, j'aime beaucoup. Et elle a qu'une seule attaque pour le heavy. Voilà, c'est ça. Hein. Hop. Tac. Alors que le katana, on ne peut pas parer. À part si on tape en même temps que la personne. Donc, et pour ça, il faut charger le katana. Donc, on peut faire des attaques chargées. Et la lâcher au moment de l'attaque. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est assez chaud à effectuer. Oula, voilà. Il fallait que je la tape parce que sinon elle va charger son coup. Hop, bon voilà, je l'ai déglingué. On peut faire aussi des coups sautés, donc ils sont pas très efficients la plupart du temps. Alors, customize. Hop. Cette fois, on va jouer avec. Je crois que c'est. Je sais plus. Je crois que c'est lui qui. Qui joue avec un style. Attends, on va changer de map. Il joue avec un style plutôt rapière. Ouais, c'est lui, voilà. Lui il a on dirait qu'il a la stance pour, enfin il a le style de combat pour la rapière. Regardez son, voilà son balanced. Il est vraiment un enchaînement de rapière. D'ailleurs ça marche assez bien. Bon là c'est un bot mais voilà. Bref. On peut aussi courir sur les murs. Bon voilà, je sais pas si ça sert à grand chose. Peut-être pour en termes de d'esquive, je sais pas. En tout cas c'est stylé. Voilà. Donc après au niveau du multi, c'est vrai que je me suis pas encore pensé, il y a plusieurs modes de jeu. Là c'est juste du duel, c'est pur et simple. Et je crois qu'on peut faire de la mêlée un peu avec plusieurs personnes contre plusieurs personnes. Donc un peu en 2v2 hein, dans l'idée. Il y a aussi un mode où duel où chacun affronte l'autre jusqu'à ce qu'il perde, un peu à la Street Fighter. Alors ensuite, on va prendre le Jian avec Yuki. Yuku. Bon, très bien, j'ai un peu merdé. Voilà, donc lui j'aime assez son... Je sais plus si... Ouais, ça va, j'aime bien son style, il est assez stylé quand même. Donc lui, on peut jouer longtemps en fast, si on enchaîne, on peut aller assez loin, quoi. Il est très dynamique, en tout cas. Vous voyez que, ouais, il est super dynamique. Si vous aimez les persos rapides, lui, il est pas mal. Alors après, là, on a le Jian. On peut pas parer vraiment non plus, il faut vraiment parer au dernier moment. Donc, pour bénéficier de vraiment un avantage sur l'autre. Là, vous voyez que l'autre m'a paré avec son katana alors que j'étais en pleine attaque. Donc là aussi, on peut charger le coup. Hein. Hop, moi j'ai raté en l'occurrence. Ouais. On peut voir aussi que... On peut voir le traîner, vous voyez le trait. Donc il change suivant où vous allez. Donc si vous êtes tout droit, si vous êtes incliné. Bref. Voilà. Très bien. Hop, ninja. En tout cas, j'espère que jusque là vous tenez le coup. J'ai fait ça un peu en rapide. Je sais plus lequel on n'a pas joué. Je crois que c'est elle. Et ça va aller très bien parce qu'elle a un style de combat assez spécial. Donc elle a pas beaucoup d'enchaînement, mais elle est. Je me souviens bien, elle a beaucoup de mobilité. Voilà, c'est peut-être son balance. Attendez. Il m'a saoulé là. Ok, alors, attends, bouge pas. Aïe, putain, je fais n'importe quoi. Voilà. Hop, hop, putain. Wouah, il m'a pas laissé m'enchaîner du tout, là. Putain, je sais même pas s'il y a un verbe, là. Voilà, donc elle, c'est assez... ninja. Putain, mais c'est quoi qu'il a comme... Donc lui, voilà, donc là, c'est une arme, je crois que c'est comme la longue sword. On peut vraiment pas... on peut pas bouger en parant. Sachant que chaque stance a un avantage sur l'autre, hein, qu'il faut savoir utiliser la bonne et la reconnaître. Donc, en gros, plus vous aurez une connaissance du jeu et plus vous utiliserez les conseils qu'ils donnent dans les tutos, plus vous aurez une chance de vaincre les plus forts, quoi. Donc, c'est un jeu qui se base beaucoup sur l'expérience, en théorie.
Voilà, voilà. Donc, hop, on va se disconnect. Oui, on dirait comme ça qu'on quitte le jeu, mais pas du tout. Je vais faire un check-up au niveau de la vidéo. Voilà tout. Du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, on va aller faire un tour du workshop. Donc j'ai téléchargé quelques trucs. Voilà, donc... peut-être des épées que vous pourrez reconnaître. Ou alors des trucs qu'on rien à voir. Ah bon, c'est rigolo. Voilà, voilà. On a quelques-unes. On va aller faire un tour du... Je sais pas. Normalement, ça devrait... Ça devrait filmer le workshop, hein. Il devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Normalement, vous êtes avec moi dans le workshop, là. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs... je sais pas, au niveau des armures, je sais pas si ça marche comme il faut. Mais nous, on va se concentrer plus sur les épées. Voilà, hop. J'aimerais bien, possiblement... Alors, on va faire ça un peu à l'arrache. Donc, voilà, une rapière qui est jolie. Il me faudrait... Ouais, celui-là, il est joli, mais un peu bizarre. Beaucoup de katana. Ajian, peut-être, ça va être stylé. Ah, oh, celui-là, il me le faut. Alors, Death Metal, alors là, ça, c'est l'épée du swag. Lightsaber, je l'ai. Dragon Slayer. Ça, c'est... Je sais pas si... Ouais. Ah, putain, ça, c'est cool, j'aime bien aussi. Voilà, c'est un peu l'épée qu'on avait vu l'autre fois, mais... qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Ça me rappelle quelque chose. Ça aussi, je sais plus à quoi ça... Great Fairy Sword. Voilà, Master Sword, vous l'avez vu. Le crayon aussi. Ça, c'est l'épée de Leona dans LoL. Si... Ouais. Ah, il est rigolo, celui-là. Vachement... C'est une Simtar, ça, ou c'est... Non, Katana. Hein. Udachi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? On va en prendre encore une. Qu'est-ce que... On peut prendre peut-être... Ouh, j'aime bien ça. J'aime bien. Il y a des trucs vraiment originaux. Hein. Vous aurez remarqué que... Il y a un peu tout et n'importe quoi. Même si j'ai des styles déjà un peu prédéfinis dans mon cerveau. Bon allez, pourquoi pas, troll. Troll, pas troll, nous ne saurons jamais. Une dernière, et après... Une dernière... Razor Sword. La fourchette m'aurait bien plu. Putain. Je sais pas si on peut jouer avec en... Ouais, très bien, la branche. Alors là, nickel. Je sais pas si on peut jouer avec en ligne, j'ai pas fait gaffe. Donc, hop. Les bâtons. Donc on va jouer avec lui de préférence, j'aime bien. Hop. Alors, play online, donc au moins on va faire quelques parties, sinon je montrerai les armes vite fait. Donc on va prendre par players, on va regarder le ping aussi, mais on va plutôt faire par ping. Donc là on a par exemple soit du FFA, du control point que j'ai jamais fait. Donc FFA, je pense qu'on se met un peu tout sur la gueule. On va aller là-dedans. C'est des custom maps. Donc, voilà. Vous voyez par exemple un petit type, hein, les cimetières et les grandes épées protègent à 120 degrés. Le cône de 120 degrés qui est en face de vous. C'est pas... Oula, attendez, hop, ça c'est rigolo. Ouais, les chargements, il fait un peu ça à chaque fois, mais bon. Ça veut dire Windows réfléchit. En plus, j'ai fermé les fenêtres pour éviter que le son parte trop en couille. Du coup, il fait assez chaud. Vous êtes peut-être au courant de la situation de température en France, si vous êtes en France. Donc en tout cas, je sais pas, bon, je suis ready to fight, je sais pas s'il y a plus de gens que ça. Donc là on peut voir les gens combattre, hein, en live, d'une certaine façon. Donc là il y a quoi, il y a katana et l'autre côté c'est une longue sword, je pense, voilà. C'est une épée perso ou peut-être, je sais pas. Je sais même pas à quoi ça correspond ce que j'ai pris moi, donc... Ouais, non, katana contre katana. En tout cas, l'autre a l'air de maîtriser un peu plus. Oh putain, avec la branche. Elle est partie.
Alors. C'est quoi comme type? C'est un Jean? Ok. Il me fait des trucs, je comprends rien, moi je suis un débutant, madame. Ouais, j'essaie de faire du spectacle, mais je sais même pas ce que je fais là. Me défonce! Faut surtout pas qu'elle me pare, elle, parce que pour le coup. Pour le coup, si elle part et qu'elle arrive à taper le coup d'après, elle me fait 150% de dégâts en plus. Donc là, elle m'a complètement éclaté quand même. Oh, midlife, je l'ai mis. C'est déjà ça pour un débutant. En tout cas, c'est toujours rigolo de se battre avec une branche, je trouve. Hop, donc là, quand même, j'ai pris l'initiative. What the fuck? Donc là, assez compliqué de parer au Jayan quand même. Je m'en sors un peu mieux, même si je pense que elle va jouer plus calmement après. Ouh putain, oui d'accord. Putain, on dirait que j'ai joué. Non, pas du tout en fait. Hop! Ouh, dommage, parce que si je réussissais mon coup, j'avais peut-être de quoi la finir. Mais en tout cas, c'était déjà ça. Ah putain, la branche, excellent. Du coup, est-ce que... Oui, je peux customiser, donc ça, c'est cool. Je peux changer de... Donc, on a déjà joué Giant. On va jouer... on va jouer avec le katana, celui-là, qui est assez joli. Dachi. Ah non, non, il nous faut la Death Metal. Là, avec ça, il nous faut... c'est qui est le plus apte. Ah, et ça, c'est métal, quand même. Enfin, mais full métal. Voilà. Non, on peut pas mettre en noir. Ouais. Ou en... Très bien, rouge. Avec... Non, ça c'est plus métal. Full métal! Alors là, on va avoir trop la classe. Hop, donc là, on est en queue. Normalement, on devrait jouer au prochain. Oula, prix de tarot. Je sais pas si c'est la même personne qui bat les autres depuis tout à l'heure. En tout cas là, il y a égalité. Final round. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense pas la faire durer trop longtemps. On va faire un dernier combat, je pense que ce sera bien. Si vous avez envie de découvrir les autres modes de jeu, bah libre à vous de l'acheter. Hein. C'est un jeu payant. À l'époque, je l'avais acheté pendant les soldes de Steam. J'ai dû avoir pour 3-4 euros, je sais plus. Mais j'avais envie d'un jeu qui changeait. Effectivement, il change. Il est assez bien réalisé, c'est pas trop buggé. Je ne connais pas bien la communauté. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire au niveau du workshop pour trouver vos épées favorites. Ou peut-être les fabriquer si vous êtes adepte de. Oula. Oula, ma coque est partie en sbeul. Voilà, ou de même les créer si vous êtes adepte de ça. Il y a de quoi faire. Y'a de quoi faire. Est-ce que c'est à moi directement ou pas? Ouais, peut-être que je ferai une ellipse si c'est pas à moi. Si c'est bon. Ouais, excellent. Alors là, je vais prendre du plaisir. J'aurais peut-être pas dû prendre lui au niveau des stands, mais... Oh, j'ai voulu esquiver, mais... Ok, putain, j'ai pris tarot comme vous avez pu le voir. Oh putain. Ok, c'était un petit peu osé. J'avoue, je ne maîtrise pas bien ce personnage, je l'aime pas beaucoup. Je vais essayer de jouer en heavy, on va voir si ça marche. Mais à mon avis, elle va me surpasser au niveau de la vitesse. Voilà, je voulais l'approcher. Merde. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus rapide que moi. Je m'obstine, mais... Non, ouais, ça marchera pas. Oh putain, elle m'a fait la chope alors que je voulais lui faire. Bon bah, c'était un peu nul. Alors là, image de fin. Très bien. J'espère que vous avez apprécié les vidéos. J'espère ne pas avoir leur fait trop longue. J'espère ne pas vous avoir troublé par mon langage qui part en couille. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié finalement. C'est ce que je voulais entendre.
c'est que vous continuerez à voir peut-être les prochains placasting que je vais effectuer, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et j'aimerais bien faire tout cet été, comme ça je passerai peut-être à d'autres séries, autre chose, j'ai prévu quelques trucs. Mais globalement, pour l'instant, c'est une reprise en douceur. Merci d'avoir regardé, laissez un like ou un commentaire, surtout ça m'intéresserait plus qu'un like. Et passez une bonne journée, à plus !